Question de Monsieur Sébastien Huyghe à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales chargée de la Ville et du Logement. La parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le sud-ouest de la métropole européenne de Lille est touché depuis de nombreuses années par des occupations illégales de terrains publics et privés par des communautés de gens du voyage. Ces occupations s'accompagnent trop souvent de dégradations, de menaces, voire de violence à l'égard des riverains, propriétaires de terrains ou même d'élus. Ce territoire, limitrophe du Pas-de-Calais, se voit parallèlement dans l'obligation de réaliser 300 places d'aires de grand passage et 55 places en aires d'accueil. Or, le territoire d'une bonne partie de ces communes se trouve partiellement ou totalement sur les champs captants qui alimentent en eau la métropole. Afin de préserver cette ressource, particulièrement fragile, le préfet de région a demandé au début de cette année la sanctuarisation de ces terres. Les communes concernées ont donc été contraintes de renoncer à tout projet de développement. Elles ont donc dû faire une croix sur des aménagements nouveaux au service de leur population, sur des contournements routiers ou même sur l'arrivée de nouvelles entreprises. Il semble donc évident que les projets d'aires d'accueil ou de grands passages sont concernés. Le schéma départemental 2019-2025 d'accueil et d'habitat des gens du voyage précise d'ailleurs que l'État veillera sur les secteurs concernés à faire porter la prescription par défaut sur les communes les moins impactées. Monsieur le ministre, devons-nous considérer que les communes dans cette situation seront dispensées des obligations liées à la loi Besson dès lors qu'elles ne peuvent s'y conformer sans contrevenir à la prescription préfectorale? Si tel est le cas, pouvez-vous me confirmer que ces communes pourront bénéficier d'une procédure accélérée en cas de stationnement illicite de la part de communautés de gens du voyage? Par ailleurs, l'absence de coordination entre les schémas du Nord et du Pas-de-Calais suscite des incohérences. La commune de Labassée, située dans le Nord, qui se trouve actuellement dans l'obligation de créer une aire de grand passage de 150 places, est de facto concernée par le projet d'aire d'accueil de la commune de Douvrin, située dans le Pas-de-Calais, qui serait réalisé à proximité immédiate du centre-ville de Labassée. Le schéma départemental 2019-2025 rappelle que la coordination est à la charge des services de l'État. Cette coordination, si elle semble indispensable, est inexistante à ce jour. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, m'indiquer vos intentions afin que des actes puissent rapidement intervenir en ce sens? Je vous remercie. Merci, Monsieur Huyghe. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, plusieurs points aux différentes questions que vous avez évoquées. En premier lieu, l'étude sur la révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage prévu dans le cadre de la loi dite Besson que vous avez évoquée, du département du Nord, il a été engagé en janvier 2018. Et ce process engagé de révision s'est inscrit d'ailleurs à travers la large concertation avec, et je ne sais si vous y avez participé, mais j'imagine que oui, avec la tenue de conférences territoriales dans plusieurs arrondissements du territoire. Et alors, vous évoquez dans les questions notamment la question d'un certain nombre de préservations, ce qu'on appelle dans ces termes techniques de la loi dite Besson, la préservation des champs captants imposés à la métropole européenne de Lille par le préfet du Nord. Et là, je vais vous rassurer sur un point, cette problématique a évidemment été prise en compte par le préfet du Nord dans le cadre de l'élaboration du futur schéma départemental d'accueil. La deuxième question, c'est la différence entre l'aire d'accueil et l'aire de grand passage que vous évoquez aussi. Donc si une aire d'accueil à vocation de longue durée implique une imperméabilisation, par exemple, importante du site, il n'en est pas de même des aires de grand passage. Et c'est pourquoi des préconisations et des prescriptions d'aire de grand passage vont figurer dans le futur schéma que j'évoquais précédemment et je m'y engage. Et ce schéma intégrera par exemple l'ensemble des problématiques et visera à ne pas laisser un établissement public de coopération intercommunale en situation de non-conformité vis-à-vis de ses obligations et rassurant ainsi les élus locaux qui en ont la charge. Enfin, vous évoquez la question de la coordination interdépartementale, notamment avec le Nord et le Pas-de-Calais. Et là aussi, je veux vous indiquer que le préfet du Nord, mais aussi le préfet du
Pas-de-Calais ont engagé un travail de mise en cohérence de chacun de leurs schémas. Pour les communes du Nord situées à proximité immédiate des communes du Pas-de-Calais, le futur schéma tiendra compte de leurs caractéristiques géographiques et précisera, après échange avec le préfet du Pas-de-Calais, qu'une double solution pourra être recherchée, consistant à privilégier d'une part la notion de secteur de la dite commune et d'autre part une logique interdépartementale avec le Pas-de-Calais, essayant ainsi de faire preuve du plus grand pragmatisme possible en termes de connexion entre les deux schémas départementaux et donc le schéma interdépartemental. Et cela supposera, outre l'engagement de la commune concernée, un consensus avec les autres communes, évidemment, de chacun des deux départements situés dans le même secteur. En tout cas, vous dire pour conclure que les deux préfets de département sont évidemment mobilisés et là aussi à votre disposition pour aller plus loin et répondre à vos inquiétudes. Oui, monsieur Huyg. Puissiez-vous être entendu, monsieur le ministre, je dois vous signaler qu'il y a vraiment un grand émoi de la part des maires de ce secteur sur ce télescopage, si je puis dire, entre les différentes obligations sur des territoires, notamment quand on est limitrophe entre deux départements. Et je dois vous dire que je profite de cette question sur les gens du voyage pour aller plus loin. Malheureusement, votre majorité a vidé de sa substance une proposition de loi sénatoriale sur le sujet. Et j'aimerais bien qu'on puisse revenir à nouveau sur le sujet des gens du voyage parce que les occupations illégales ne cessent de s'amplifier avec une montée, j'allais dire, des tensions qui vont arriver sur la violence. Et j'ai déjà eu l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ces tensions arrivent à un paroxysme et un jour nous aurons un mort, que ce soit dans la communauté des gens du voyage ou que ce soit de la part des riverains, tellement donc cette tension arrive à son paroxysme. Et donc j'attire votre attention sur le fait qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans la législation pour réguler tout cela. Je vous remercie de votre attention, monsieur le ministre. Merci, cher collègue. Question